Bonjour mes petites étoiles, bonjour aux nouveaux abonnés et bien sûr bienvenue à toi belle âme qui t'arrête sur cette guidance du choix du papillon. Aujourd'hui nous sommes le mardi 5 septembre 2023, donc qui dit numéro 5 dit que déjà 1 c'est mon chiffre fétiche, donc je suis contente de vivre cette journée à vos côtés. Ensuite on est sur la créativité, on est sur le regain d'énergie, on a envie de faire plein de choses et surtout on se sent libre de le faire, comme si on avait déposé des fardeaux, comme si on avait fait un ménage de printemps. On se sent vraiment libre de faire les choses comme on l'entend. On se sent beaucoup plus léger, on a envie de concrétiser des projets. Donc on va voir si aujourd'hui ça fonctionne. Peut-être que pour certains, il va falloir passer par un état de crise, c'est-à-dire vraiment faire ressortir tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne pour pouvoir justement se sentir plus léger, se sentir libéré pour pouvoir ensuite aller tout doucement vers ses projets. Alors, on va se rejoindre tout de suite sur le tapis de guidance. Pour ceux et celles qui connaissent mes oracles, eh bien vous allez les retrouver, j'espère, avec joie. Et pour ceux qui vont les découvrir, on va les découvrir ensemble. Alors, voilà le premier oracle que vous allez découvrir, il s'appelle l'oracle du chemin de vie. Alors on va voir aujourd'hui qui vient avec nous, merci, et ce que ça va nous révéler. L'oracle du chemin de vie nous parle aujourd'hui des mondes parallèles. Voilà, cette belle carte des mondes parallèles, alors moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai toujours imaginé que l'histoire était effectivement un fil continu, mais un fil continu qui continue de vivre à côté de nous. Donc j'imagine encore des personnages historiques qui sont toujours en vie et qui continuent leur vie de leur côté. J'imagine aussi que l'univers est grand et qu'on n'a encore pas tout exploré et qu'il est probable qu'il y ait d'autres planètes avec d'autres nous. Hein, déjà sur cette Terre, on dit bien que nous avons tous un sosie parfait. Eh bien, pourquoi pas envisager, imaginer que nous ayons ces autres personnes dans les mondes parallèles et qui auraient peut-être aussi expérimenté des situations de vie comme les nôtres et qui auraient proposé d'autres réponses, d'autres solutions. Ces mondes parallèles, en fait, cette carte-là, elle nous invite à ouvrir notre esprit aujourd'hui pour comprendre et pour nous rendre compte que la réalité dans laquelle on vit, elle n'est pas unique. Hein. Il y a une multitude de réalités, sauf que nous, on s'arrête sur une seule réalité, on s'arrête sur une vérité, celle qui est la nôtre. Donc, on vous invite aussi à vous rendre compte que la vie et les situations, ce sont des poupées russes. Hein. Il y a des strates, donc rien n'est jamais simple. Je ne dis pas que tout est difficile, attention, hein. Je dis que rien n'est jamais simple dans une situation. Donc, il est intéressant d'aller regarder à l'intérieur finalement de la situation pour bien la décomposer et bien pouvoir s'en libérer aussi, puisqu'on parle aujourd'hui de libération. Alors, on pense aussi, et mes guides me disent plusieurs vies, plusieurs personnes, on pense aussi vie antérieure, on pense également à toutes les personnes qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes au fur et à mesure de notre vie. Je ne parle pas que de nos emplois ou de ce qu'on a pu faire dans les associations, etc. On est tellement passé par des expériences, par des situations de vie que ça nous a forgé autrement. Donc si vous regardez, rien que déjà, il y a 6 mois, vous étiez quelqu'un de différent. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Et puis évidemment, vous remontez comme ça jusque à votre enfance, enfin, en tout cas aussi loin que vous pouvez. D'accord ? Donc là, il ne faut pas oublier de ne pas fermer les portes. Il faut se connecter à son intériorité aujourd'hui. Moi, j'ai posé ma tasse de café sur un des chakras parce que j'ai une ligne de chakras comme ça. Je l'ai posée en fermant les yeux. Je suis tombée sur les 3 premiers chakras, donc il faut ouvrir son esprit, il faut surtout se connecter à son intériorité, à son chakra sacré, bien évidemment, et à son chakra racine, et puis logiquement le chakra des émotions aussi, parce que bien souvent, voilà, quand on n'arrive pas à venir au centre d'une situation, c'est qu'on a trop d'émotions, tout ça s'est mélangé, ça déborde, c'est un petit peu compliqué.
Donc, rappelez-vous bien que vous avez eu plusieurs vies, vous avez plusieurs situations de vie, et on va voir ensemble avec l'oracle des miroirs comment ces multiples vies, hein, ces multiples expériences de vie viennent se relier aujourd'hui à la notion de créativité qui est dans le chakra sacré notamment. Cette notion de libération des émotions dans le chakra du plexus solaire juste au-dessus et comment vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez envie et peut-être ce que vous avez besoin de concrétiser. Eh bien tiens, pourquoi je ne suis pas surprise avec la carte de la famille. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est l'amour. D'accord ? L'amour va être un outil très, très puissant. L'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez aux autres, à ce que vous faites, ça va être la clé, ça va être une clé d'activation aujourd'hui pour pouvoir aller vers cette créativité. Aimer ce que vous faites, aimer qui vous êtes, aimer les autres, bien que ça puisse être compliqué. Donc là où ça coince au niveau des émotions et avec ces mondes parallèles, on vous demande en fait de regarder la situation dans son ensemble et notamment la situation familiale. On a tous des blessures qui nous appartiennent et on porte aussi les blessures des ancêtres. Donc, il est intéressant quand on rencontre une situation dans laquelle on se sent mal à l'aise, voire blessé, profondément affecté, d'aller voir au-dessus de nous si c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté par notre père ou par notre mère. Et après, on regarde les strates supérieures, donc nos grands-parents. Et puis si on ne trouve rien, on va revenir à nos parents et on va les regarder de ce côté-ci, c'est-à-dire au lieu de monter, on va aller sur les côtés et on va aller voir leurs frères et sœurs. Voilà, ça c'est la psychogénéalogie, voir si on trimballe les casseroles des autres, parce que bien souvent, on en trimballe qui ne sont pas à nous et c'est juste à nous de les solutionner, d'apporter du mieux-être à notre lignée pour qu'elle puisse encore mieux nous soutenir. Donc le chiffre 9, il est vraiment là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer, il y a un cycle qui va se terminer, vous pourrez bientôt avoir des réponses concrètes, affirmées par rapport à une situation, par rapport à un questionnement. C'est des choses que vous aviez à l'esprit, vous attendiez que ça arrive. La carte de l'argent, je la mets avec, puisque en réduction, on est sur le chiffre 9 aussi. Donc, si c'est lié à l'argent, à la question d'abondance, vous allez avoir abondance de réponses. D'accord ? Une fois que vous aurez tiré le bon fil, vous allez avoir une réponse qui va vous permettre d'aller plus en avant sur le chemin, de continuer de trouver d'autres réponses, puis d'autres réponses, puis d'autres réponses pour enfin faire la lumière sur une situation précise en rapport avec la famille. Et la carte de la victoire vous signifie bien que vous aurez enfin les réponses, pas celles que vous vouliez, mais vous attendiez d'avoir des réponses et ça, ça va arriver vers vous. La carte de la séparation ici et de l'échec vous dit que du côté familial, avec ce double 3 ici, il y a la notion de trahison. Au sein d'une même famille, on peut se sentir trahi. Il peut y avoir aussi une blessure de trahison qui se retrouve tout au long d'une lignée. D'accord ? Vous n'êtes pas le premier ou la première à vous être senti trahi par un membre de votre famille. Pardon. Il est très possible que vous ayez déjà eu ça dans votre lignée. Donc il va être intéressant d'aller regarder un petit peu au-dessus. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la séparation, c'est pas la solution. Vous éloignez pour un temps, c'est bien. Pour longtemps, c'est pas ce qui solutionnera la situation conflictuelle familiale en ce moment. C'est l'amour. D'accord ? C'est l'amour qui vous apportera l'équilibre, c'est l'amour qui apportera l'harmonie au sein de votre famille et avec votre fratrie ou avec vos parents. Donc c'est vraiment, il faut vraiment aller voir de ce côté-là. Et exit évidemment
toutes les questions d'argent qui pourraient vous polluer au niveau familial, hein, la carte ici. Dans le domaine sentimental, on vous demande de rester optimiste, d'avoir une pensée positive et la foi pour que l'amour vienne à vous. Évidemment, plus vous allez vibrer positif, avec évidemment des vibrations hautes, plus vous allez dégager une aura positive, une aura lumineuse, blanche, éventuellement jaune, hein, qui est la symbolique des émotions. Et puis, vous allez vraiment attirer à vous là où les personnes qui seraient susceptibles de vous plaire et de faire un bout de chemin avec vous. D'accord ? Donc, l'amour est vraiment au centre. C'est vraiment la clé d'activation pour aujourd'hui. D'accord ? Même avec les mondes parallèles, on parle d'affectif, on parle d'espoir. On vous parle aussi d'emprise, hein, de faire attention aux personnes qui pourraient avoir une emprise affective sur vous. Ou vous-même, vous avez une dépendance affective envers une personne, notamment de votre famille, quelqu'un que vous voyez comme un modèle, un mentor, ou de qui vous voulez être aimé. Vous souhaitez que cette personne vous regarde, et elle ne vous regarde pas autant ou comme vous le souhaiteriez. Donc ça peut être compliqué pour vous à accepter. Quoi qu'il en soit, la carte bienveillance et la carte message d'aujourd'hui vous parlent de vos rêves. On reparle encore de réalité. On vous dit que la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. On se retrouve encore avec le chiffre 2 et ce petit oracle de Steph. Ici, comme quoi le 2, l'affectif est très très important aujourd'hui. Et ce numéro 2, on est vraiment dans le chakra racine. Aujourd'hui, on vous demande de vraiment vous ancrer, hein, d'être dans la stabilité qui vous manque. Ça, c'est vraiment important pour aujourd'hui. Il est important de travailler avec le « je suis », c'est-à-dire qui vous êtes, ce qui vous permet de dire que vous êtes en sécurité, d'accord ? Et puis, je vais vous donner un tout petit exercice, si vous le voulez bien, pour travailler à votre chakra racine, à votre stabilité, et justement vous apporter une certaine sécurité intérieure, et ensuite exprimer vos émotions, puisqu'on est toujours dans le créatif. Moi, j'aime bien vous faire évacuer les émotions de manière artistique. Je vais vous demander d'utiliser le pouvoir des intentions et celui de l'image. Au centre d'une feuille, et tout autour, vous allez dessiner un cercle. D'accord ? Ensuite, vous allez découper dans un magazine des images ou des mots qui vous parlent, entre guillemets, et vous allez créer un mandala, un collage, pour déposer vos intentions. Donc, ce symbole sacré que vous allez faire en collant vos images, ça va vous permettre de retrouver du mouvement. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture, des stylos, des feutres, des gommettes, voilà, tout ce que vous voulez. Vous laissez votre créativité se mettre en place, mais faites ce travail au centre du cercle. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont les images, les mots qui vous font vibrer et que vous avez envie de voir afficher dans votre salle de bain, dans votre chambre? Vous pouvez aussi le prendre en photo, ce petit mandala collage, et le mettre en fond d'écran. Plus vous allez le voir, plus vous allez vibrer vers ces mots, vers ces images, vers ces actions. Et bien sûr, vous allez faire venir à vous les personnes ou les situations qui vous permettront de réaliser cette action et de mettre dans la matière les mots que vous aurez sélectionnés. Voilà, si vous voulez partager vos mandalas collages, eh bien c'est très simple, vous pouvez me les envoyer en MP sur les réseaux, sur lesquels aussi vous pouvez vous abonner, bien sûr, il n'y a pas que sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez aussi me l'envoyer par mail, vous avez de toute façon tout... les contacts dans la barre de description juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à partager vos collages. Je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée et je ferai en sorte de mettre un post sur YouTube pour partager mon collage et je pense que je le partagerai également sur les réseaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine guidance.